monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'attendais avec impatience puisque je vais vider avec vous tous mes défis cumulés là sur une partie de l'année et remplir avec vous, enfin voir déjà combien j'ai pu économiser et remplir avec vous mes épargnes. Allez, on se retrouve sur ma table, c'est parti. Alors, on va attaquer tout de suite parce que je sais que la vidéo risque de durer de plombes, je m'en excuse par avance, mais bon, c'est une vidéo bilan, donc ça, c'est toujours un peu plus long. Donc là, ce sont les défis de Chris de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, donc deuxième partie de l'année. Et là, les défis annuels que je dois vider avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je vais prendre une petite feuille à côté pour faire les totaux, parce que comme d'habitude, je n'ai pas de calculette, donc on va faire ça à la mano, ça devrait le faire, de toute façon, j'ai pas le choix, donc voilà, c'est parti, on va commencer par ouvrir les défis de Chris, comme ça, ce sera fait, allez, c'est parti, donc au mois de juillet, qu'est-ce qu'on avait mis? Au mois de juillet, on avait mis 1, 2, 3, 4, 5, 100 euros à l'intérieur. Au mois d'août. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 100 euros aussi. Septembre. Oh, elle est plus fine, je le sens, elle est plus légère. Trop de scotch en plus. C'est pas grave. Hop. Alors, septembre, on en avait mis 50 euros. Octobre. Alors, je vous donne toujours pas l'intitulé des défis, hein, parce que, même si ils sont terminés, je préfère ne pas les donner. Octobre, donc, on avait mis 70 euros. Novembre. Deux, trois, quatre, cinq, encore 50 euros. Et décembre, on y a mis, eh bien, enfin, on y a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120. C'est pas mal, hein, vraiment pas mal. Donc, au total, sur ces 6 mois de l'année, hop, hop, je les trie comme d'hab, vous savez. Hop, alors on a mis 50. 1, 2, 3, 4, 5, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 250. 1, 2, 3, 4, 5, 350. 1, 2, 3, 4, 5, 450 et 40, 490 euros. Génial. Super. Donc, on va mettre. Donc, je vais mettre Chris. 490 euros. C'est super. Donc, ça, c'est sur 6 mois. Sachant que j'ai fait le total sur l'année des défis de Chris. Et au total. Oui, parce que en fait, je suis pas vraiment surprise du résultat, hein, puisque je notais quand même chaque mois ce que je mettais à l'intérieur. Donc au total, sur l'année, j'ai mis 1060 euros dans ces défis. Voilà. Donc la première partie d'année jusqu'au mois de juin a déjà été vidée et répartie dans les enveloppes. Et donc là, dans les enveloppes épargne, juste de juillet à décembre. Donc 1060 euros sur l'année. Donc là, 490 euros sur le deuxième semestre. Ensuite. Pour les calculs, ouais, 490, je vais faire My Little Défi. Parce que, comme vous le savez, My Little Défi, il y avait 310 euros à l'intérieur. Voilà, donc je les avais recalculés avec vous. Donc je les mets de côté. Donc on a dit MLD, My Little Défi, 310. Donc là, les deux ensemble, ça fait 800 déjà. Ensuite, le défi d'or.
donc en billets dans le défi d'or, j'ai réussi à convertir 160 € au total. Donc là, je peux vous le dire clairement, j'ai quasiment plus rien en petites pièces. J'ai même... ouais. Donc 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc on a dit 160 € pour le défi d'or. Défi d'or. 160 €. Ensuite, ce qui me restait du Monopoly et de la bonne épargne. On en avait parlé au dernier bilan. Donc Monopoly, vous savez qu'au total, j'ai économisé, j'ai arrondi à 640 €. Quasiment tout est parti pour... De toute façon, c'était pour ça, pour notre séjour à Disney. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que des billets virtuels. Et là, mine de rien, en billets réels, on a quand même réussi à avoir 60 € sur le mois de décembre. C'est ça, fin novembre. Enfin, à partir du moment où j'en ai plus besoin pour Disney. Donc 60 € de Monopoly. Hop, ça je vais l'enlever. Et dans la bonne épargne, pareil, on avait réussi à avoir sur l'année 370, puisque j'avais arrondi. Et, ah oui, il y a toujours les 50 centimes. Je vais mettre dans ma tirelire. Tout avait servi pour Disney aussi, sauf les derniers 40 € que j'ai mis à partir du moment où je n'en avais plus besoin. Hop, la pièce, je l'enlève, je la compte pas. Donc, bonne épargne plus Monopoly. Si j'ai pas de bêtises, il y a 100 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est ça. Donc, on a dit Monop plus bonne épargne. 100. Donc là, on est à 260 sur les deux. Donc là, au total, on est à 1060. Donc déjà, on dépasse les 1000 €. Il me reste encore quelques enveloppes à vider. Ensuite, le défi des 200 € en 3 mois, j'ai réussi à le terminer. Là, il me restait 50 € dans mon enveloppe défi du mois de décembre. Donc déjà, on était à 135 fin de semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc j'ai pris dans l'enveloppe les 50 €, j'ai pris clairement les 50 € qui restaient dans l'enveloppe défi. Et les 15 € restants, il y a 5 € de l'enveloppe extra et 10 € de l'enveloppe alimentation. Voilà, donc il y a bien les 200 € dans cette enveloppe. Je vais quand même recompter. 100, 1, 2, 3, 160 et 40, 200. Donc voilà, défi 200. La 200. Voilà. Celui-ci, comme vous le savez, sur l'année, on avait réussi à mettre 100. Enfin, on l'a déjà utilisé deux fois, mais là, il nous restait 173 € et des poussières. Donc, j'ai retiré les 170 €, comme j'avais dit. Ils sont ici. 5, 100, 160 et 10. Donc, celui-là, on a dit, c'est le pirate que je vais refaire l'année prochaine parce que franchement, il est vraiment top. Donc, hop, les deux ensemble, on est à 370 €. Hop. Ensuite, le défi des saisons, donc l'automne, parce qu'on n'a pas attaqué l'hiver du coup. Donc, pour l'automne, c'est 130 € par saison, donc 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça, c'est bon. Donc saison. Hop. On a dit que c'était 130. 130 avec les 370, là, ça fait 500. Et le dernier, le défi, bien sûr, des jours fériés. Donc j'ai mis les derniers 10 € qui correspondaient à Noël. Et donc, sur ce défi, nous avons pu économiser 160 € sur l'année. Et ce défi des jours fériés, bien sûr, sera de nouveau fait l'année prochaine. 50, 70, 90, 100, 140 et 160. Le compte est bon. Hop, donc, jours fériés. Avec un S, c'est mieux. On a dit 160 €. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, les deux ensemble, ça fait 1560. Plus les 160, ça fait 1100.
720 euros d'économiser sur mes défis. Sachant que, comme vous le savez, pour le Monopoly, la bonne épargne, c'est pas le reflet de l'année. Hein. Le défi de Chris non plus. Donc, c'est vraiment sur une partie de l'année. Pareil pour le défi des saisons, puisqu'il ne s'agit que de l'automne. Donc, c'est vraiment le reflet d'une partie de l'année, des économies dans les défis d'une partie de l'année. Donc, comment vous dire, c'est juste exceptionnel. Je suis archi contente. Alors, qu'allons-nous faire de cet argent? Déjà, je vais bien compter que j'ai bien le... Donc, on a 1720. J'ai bien le bon montant. Hop. Je vais ranger par billet, comme d'hab. Déjà, j'ai pas un billet de 5. Alors, hop. Ça fait beaucoup d'argent. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Je pensais pas qu'un jour j'arriverais à économiser autant. Hop. Vous qui connaissez ma situation précédente, je pense que vous comprenez. Je pense que pour les personnes qui sont également en galère et qui arrivent à s'en sortir grâce à ce système, je pense que vous me comprenez également. Alors, pour info, c'est pas de la vantardise, hein, tout ça. C'est pour vous montrer que voilà, ça marche. Hein. Clairement, tout le monde me demande tes défis, ça sert à rien. Bah, si, mes défis, ça sert, la preuve. Là, ça va me servir à bien booster les épingles qui sont à booster. Ça a l'air d'être bon pour le tri. Alors, on y va. Je plie toujours mes billets de 50, sinon ils ne rentrent pas dans les enveloppes. Alors, donc on a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650. 1, 2, 3, 4, 5, 750. 1, 2, 3, 4, 5, 850. 1, 2, 3, 4, 5, 950. 1, 2, 3, 4, 5, 1050. 1, 2, 3, 4, 5, 1150. 1, 2, 3, 4, 5, 1250. 1, 2, 3, 4, 5, 1350, 1370, 1370, 2 et 3, 1400. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1005, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1006, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1007 et 20, 1720. Le compte est bon. Eh bien, c'est... Ouais. C'est impressionnant. Le nombre de billets que ça fait, ça va faire de la monnaie dans les épargnes. Ça, c'est cool. Alors... J'ai quand même pris quelques notes déjà de, voilà, de remplissage que je souhaitais faire. Parce que, bah, mine de rien, je savais que j'avais quand même économisé une belle somme. Je ne savais pas le total exact, hein, mais je savais que j'avais quand même économisé une belle somme. Donc, j'ai commencé déjà à me projeter sur bah, les enveloppes que je voulais remplir avec toutes ces économies. Alors, déjà... Je vais commencer par m'occuper, vous savez, des petits événements de l'année. Quand je dis des petits événements, Saint-Valentin, fête des grands-mères et Pâques. Je me concentre sur ces trois-là que je vais faire en entier pour être tranquille déjà jusqu'à bah, du coup Pâques. Ça fait jusqu'au mois d'avril. Et comme ça, je pourrais me concentrer sur la fête des mères, la fête des pères et la fête des grands-pères tranquillement par la suite. Donc Saint-Valentin, je voulais mettre 180 euros. On avait déjà mis 100 euros à l'intérieur, donc il manque... Bah, les 80 euros que je vais mettre tout de suite. Donc 5, 6, 7 et 8. Voilà. Comme ça, celle-ci, elle est bouclée. Et je vais colorier mes petits cœurs restants. Donc ça, c'est cool. La Saint-Valentin, c'est fait. Je vais checker à côté. Check. Et en plus, terminé. Donc ça, c'est cool. Ensuite... La fête des grands-mères. La fête des grands-mères, je compte 40 euros
par grand-mère. Donc j'ai ma grand-mère à moi et mes enfants ont leurs deux grand-mères. Donc ça fait 120 euros dans l'enveloppe et un petit cœur égale 10 euros. Donc 120 euros, je vais les mettre comme ceci. Oui. De toute façon, en général, je commande et je remets l'argent sur le compte. Donc 120, on a dit pas 140. Donc voilà. En plus d'avoir plein de monnaie comme ça, c'est cool que si j'ai des soucis au moment du remplissage, je pourrais utiliser ma monnaie là. Ça, c'est cool. Bon, je vais quand même colorier, même si voilà, tout est bouclé. Donc là, les 120 euros de la fête des grands-mères, check aussi. Ça, c'est fait. Ensuite, bah, pack. Pack, moi, je mets que pour mes enfants. C'est 50 euros par enfant. Il y a 100 euros de budget. Donc, on va mettre les 100 euros. Voilà. Et pack fer en verre. Pareil, c'est. Non, c'est pas 10 euros là, mais bon, on va tous les colorier de toute façon. L'enveloppe est bouclée aussi. Qu'est-ce que je suis contente. Tout ça, j'aurais pas à le faire. Pressé à le faire en début d'année, c'est cool. Pack, c'est fait. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, derrière, il reste la fête des mères, c'est fin mai. La fête des pères, c'est fin juin. Et c'est celui de la fête des grands-mères, en fait, c'est grands-parents. Donc, je le réutilise en fin d'année pour la fête des grands-pères, qui est en octobre. Donc, tout ça, c'est good. C'est bouclé et je suis super contente. Ensuite, on va passer au défi. Enfin, au défi, pardon, décidément. Je suis obsédée par les défis. Aux épargnes pures et dures. Donc, les épargnes, qu'est-ce que j'ai prévu de mettre? Donc, mon fonds de secours, il est terminé, j'ai pas besoin de mettre dedans, donc ça c'est cool. L'école, j'ai utilisé 10 euros pour racheter des stylos friction à ma fille, et il faut que je lui achète un maillot de bain aussi, donc je compte à peu près une vingtaine d'euros, je pense qu'on va aller à Decathlon. Donc en gros, il va manquer 30 euros pour être à 100 euros. Je vais remettre que 20 euros dedans. Voilà. Si j'ai de l'argent encore à la fin, je remettrai plus. Mais là, pour le moment, je ne mets que 20 euros. Je mets 20 euros. Hop. Alors, du coup, on va remplir les trackers. J'ai pas le lexique. Donc, on va mettre bilan défi. Défi annuel, tiens. Défi annuel. Dépôt plus 20 et on est à donc à 110 euros. Parfait, donc ça c'est good. Ensuite, la moto, j'ai décidé de mettre 50 euros à l'intérieur. Hop. Comme ça, on est à 100. Sachant qu'il a eu une carte cadeau pour Noël. De 50 euros, donc il va pouvoir en plus acheter du matos avec, plus la 100 euros s'il y a d'autres choses à acheter, c'est cool. Donc défi, j'ai dit annuel dépôt plus 50 et ça fait 100. Ah oui, je vous ai pas dit, vous allez revoir des billets réels dans mes enveloppes parce que je préfère en visuel finalement que les spécimens. Donc j'ai remis du. Alors j'ai pas pu remettre partout, j'ai pas pu retirer tout ce que je voulais retirer. Mais dans la plupart des enveloppes, vous allez voir des billets réels maintenant. Alors pas dans mon fonds de secours puisqu'il est terminé à 1000 euros. Voilà, je ne voyais pas avoir 1000 euros là. Et pas dans l'enveloppe voiture, pardon, parce que pour l'instant elle est terminée à 500 euros aussi. Donc voiture, j'avais l'intention de ne rien mettre dedans. Maison, j'ai décidé de remettre 50 euros à l'intérieur. On a vraiment beaucoup de projets dans la maison en 2023, donc il faut vraiment que je la booste. Plus 50. On est donc à 150, c'est bon. Hop. Alors ensuite, je crois que c'est l'enveloppe shopping, ouais, qui est vide, puisque je vous avais dit, je suis allée à H&M, j'ai acheté des tenues de fête pour les enfants. J'avais besoin de chaussures aussi, j'ai trouvé que pour ma fille, pas pour mon fils, mais bon. Du coup, j'ai pris l'enveloppe, j'ai pris les 50 euros et il n'y a plus rien. Donc, je vais remettre 50 euros. Alors ensuite, après le shopping, les animaux, bah, elle a été vidée hein, puisque vous savez que j'ai perdu ma chienne. Je vais remettre 100 euros dedans et la laisser à 100 euros définitivement.
Je pense que pour les cochons d'Inde, voilà, si je m'en sers pas, ça me servira pour les cochons d'Inde maintenant. Mais je pense que 100 euros suffiront. Donc, hop. Et je ne pense pas, je vous dis, en remettre, remettre à l'intérieur. Je m'arrête à 200. Si j'ai, à 100, pardon. Si j'ai besoin de choses pour les cochons d'Inde, je prendrai dedans. Si j'ai besoin de les emmener chez le véto, je prendrai dedans également. Mais pour moi, celle-ci, elle est bouclée pour l'instant. En tout cas, je ne pense pas avoir besoin de beaucoup plus pour eux. Animaux. Hop. Voilà. La santé, on était à 200 euros. Alors, j'ai toujours pas eu le retour du devis pour l'appareil dentaire de ma fille. Donc, bon, je continue de la remplir. De toute façon, j'aurai 2 semestres à payer au moins, donc une partie. Donc, je vais remettre 100 euros à l'intérieur. Comme ça, on arrive à 300 euros dans cette enveloppe. 1, 2, 3, oui, c'est ça. Donc, 300. Et je vous avais dit, c'est 750 euros par semestre, sachant que pour l'instant, il y a 193 euros par semestre de prêt en charge par la Sécu. Bon, il y a 200. Donc là, à aujourd'hui, ça ferait 550 par semestre à ma charge. Mais je pense que quand même, la mutuelle va prendre une bonne partie en compte. Enfin, on verra bien. J'espère qu'ils prennent au moins 200 euros par semestre. Ce serait bien. J'ai à peu près 300 euros, pas plus, par semestre. Enfin, on verra bien. Voilà. Beauté, pour l'instant, je ne mets rien. Je vais voir s'il restera quelque chose. Centre aéré, comme vous le savez, on l'avait fini une fois. Il y avait bien les 200 euros à l'intérieur. Donc là, je vais le re-remplir. Par contre, je n'ai pas effacé le tracker. Je vais le faire de suite. Voilà. J'ai toujours pas eu de facture, donc je ne sais toujours pas pour combien je vais en avoir. Je vais remettre 30 euros à l'intérieur. Sachant qu'il y a déjà 200, donc ça fera 230. Hop. Donc, les petits personnages, c'est 20. Donc, je vais colorier 1 et la moitié d'un. Donc, centre aéré, c'est good. Ensuite, les anniversaires. Donc, pour cette année, ça y est. Dernier, c'était mon neveu, le 25 décembre. C'est bouclé. Donc, on va repartir au début. Donc, ce sera au mois d'avril, le premier pour mon mari. Là, il me reste 80 euros. Hein. Il y avait 150 euros. J'ai utilisé 35 euros pour mon neveu. Donc, il restait 115 euros. Et 35 euros pour une nièce de cœur. Donc, il me restait 80 euros. Et j'ai l'intention de remettre 70 euros dedans. Pour être à 150. Revenir à 150. C'est pas mal pour commencer l'année, sachant que j'ai déjà 100 euros pour mon mari. Et ça fait 150. Voilà. Donc, Anib, c'est fait. Ensuite, c'est l'anniversaire des enfants. Donc, si je dis pas de bêtises, j'ai prévu d'y remettre 50 euros. Il y a déjà 200 euros, c'est cool, sachant que je compte à peu près 300 par enfant et que le premier anniversaire est au mois de juillet. Donc 200, hop. À peu près hein, 300 euros, mais ce sera peut-être un peu plus vu que maintenant ma fille fait avec ses copains en plus, donc on verra. Donc on remet 50 euros. Alors, j'ai plus de billets de 50, donc ça va être hop. Ah, oh, bah suite. Voilà. Donc 200. 200. Alors, celle-ci, le défi énergie. Eh ben, elle est vide. Je m'explique. Moi, je paye Engie tous les 2 mois. On est à 240 euros que je prévois hein, sur mon budget. Sauf que ben là, on a eu une espèce de régule. Donc, au lieu d'avoir les 240 euros habituels, on a de 359. Donc, 120 euros de plus. Mais, en début de mois, ils nous ont redonné 55 euros. Allez comprendre. J'y avais pas touché hein, exprès. J'ai bien fait. Du coup, on avait gardé ces 55 euros pour payer le surplus. Et il y avait 70 euros dans celle-ci. Donc, ça a, bah, ça a compensé. Hein. Clairement, ça a payé, ça a payé leur, entre guillemets, leur espèce de régule.
Voilà, donc je vais remettre dans cette enveloppe, je ne sais plus combien je voulais mettre, déjà, hop, j'efface tout ça, je nettoie. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais y mettre une belle somme parce qu'on ne sait jamais s'ils me refont le coup dans 2 mois. Je vais mettre 100 euros. 20, 40, 60, 80 et 100. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est la machine à laver. Voilà, on va partir avec un peu d'avance sur celle-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, j'en prends trop. Celle-ci, comme je vous l'avais dit, hein, j'aimerais bien la finir et puis faire un peu comme le centre aéré et repartir au début après. Voilà, en fait, ne jamais vraiment l'arrêter. Ça sert toujours la preuve. Voilà, celle-ci, c'est good. Ensuite, l'abonnement PS4. Alors, ce n'est qu'en novembre, mais bon, j'ai quand même prévu de mettre de l'argent dedans. Je vais en mettre 50 euros pour prendre quelques mois d'avance. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça, on est à 70 euros sur les 120 à prévoir. Donc ça, c'est cool. Alors, 1, 2, 3, on a dit 70 euros au total. Donc je vais reprendre un billet de 10. C'est ça. Donc 60. Oui, c'est ça. Je voulais mettre 50. C'est good. On a bien nos 70 euros. Amazon Prime, pareil, je voulais l'avancer. Alors, c'est pareil, c'est qu'au mois de novembre. C'est que 70, enfin, que 70. Donc, j'ai décidé de remettre 50 aussi. Non, 30 dedans, pardon. Ça, il me restera 30 à mettre. 30, on a dit. Donc, il y a 40, c'est ça? Je dis, oh, je sais même plus. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Donc, je reprends le billet de 10 aussi. Et ça, c'est good. Voilà. Donc 40 sur les 70, c'est top. Ensuite, les repas fêtes. Donc, il y avait 170 euros dans l'enveloppe. L'enveloppe est vide puisque je l'ai utilisée pour Noël. Donc, pareil, je n'ai rien effacé. Je vais le faire tout de suite. Et ben, on va la re-remplir hein, puisque ça sert pour les repas. Ben ça servait pour les repas d'anniversaire, les repas un peu améliorés, donc autant la re-remplir un peu. Oh pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Du coup, j'avais décidé de mettre remettre 100 euros dedans. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 10, 20, 30. 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est déjà ça de prévu, c'est cool. Alors, ensuite, c'est la redevance télé. Je ne sais pas si nous l'aurons ou pas cette année. Mais bon, je la prévois quand même. Redevance télé, j'ai prévu d'y mettre 50 euros. Donc on sera à 110. 60, 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, il me restera 30 euros à mettre dedans. C'est cool. 50. Hop, je prends ça. Pareil, on va récupérer le billet 10. Après, je marque que des billets 10, on marque. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a bien 110 euros. Hop, voilà. Petite nouvelle enveloppe là de cette année. C'est l'interview de vie de jeune fille. J'ai l'interview de vie de jeune fille. Enfin, j'ai ma meilleure amie qui se marie. Je suis témoin. Et donc, nous faisons un interview de vie de jeune fille, bien évidemment. Donc, pour ce projet, j'ai prévu une enveloppe de 400 euros, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que ça suffira. Si ça ne suffit pas, bah, j'arriverai à me débrouiller hein, avec mon enveloppe à moi. Enfin, on verra. En tout cas, j'ai prévu une enveloppe de 400 euros pour cet événement. Et là, pour commencer, je vais mettre 100 euros. Donc 50 et 50.
J'avoue, je suis archi contente. C'est la première fois en plus que j'ai un enterrement de vie. Enfin, à part le mien, bien sûr, que j'ai eu, mais sinon, j'assiste à un enterrement de vie de jeune fille et je suis trop contente. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me permet d'inaugurer ma nouvelle petite enveloppe. Hop, donc, on a dit. Je vois rien en plus, c'est un peu sombre. Mais bon. Bilan. Non, défi. Annuel. Dépôt. Plus 100. C'est bien, déjà un quart de fait de ce que je voulais mettre. Voilà. Donc là-dedans, on a terminé. Ça, c'est cool. Alors, on va regarder ce qu'il va nous rester en argent. Parce que j'avoue que je n'ai pas calculé au fur et à mesure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 120 là. 120. Donc, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 10, 20, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 470. Et bon, on est pas mal. Hein, ouais, je pense que je vais encore peut-être me resservir de mon... suivi d'épargne après, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on va passer à celui-là parce que dedans, il n'y a pas que des défis, il y a aussi pardon, certaines épargnes que j'ai mis dans mon nouveau, dans mon classeur, parce que je vous l'avais dit, mais par exemple, hop, le défi fonds d'urgence, j'ai commencé à colorier, c'est pour les impôts, donc l'objectif c'est d'avoir 1000 euros, donc je l'ai mis dedans. Le défi vacances aussi, qui est pas pour les vacances, clairement. Et il y en a un pour Noël l'année prochaine. Eux, ils le font en 12 semaines. Moi, j'ai décidé voilà, de le faire sur l'année. Donc, il y a celui-ci aussi à remplir. Alors, on va commencer par celui-là, d'ailleurs, je pense. Donc, comme je vous l'ai dit, mon classeur, je ne l'ai toujours pas présenté, mais je vous le présenterai un peu plus tard. Donc là, on est dans les autres défis. Et donc le défi Noël, on va commencer par celui-ci. Et vu l'argent qui me reste et les sommes qu'il y a, je vais mettre la case. Alors je vais prendre un filtre. Je vais mettre la case. Alors sachant qu'il fait 500 euros, je pense que je le ferai deux fois du coup. Parce qu'il me faut ouais, minimum 1000 euros. Hein, puisque je vous ai dit, cette année ça a été juste. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci. Hop, deux fois. 2 x 50, ça me fait 100 euros déjà. Voilà, comme ça. Ça, c'est bon. Alors, attendez, je vais mettre de côté parce que prendre la place. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ça c'est good. Ensuite, donc en Noël, c'est fait. Ensuite, j'ai le défi vacances. Le défi vacances dans lequel il y a déjà 200 euros. Je vais rajouter 100 euros. J'ai mis au feutre bleu que j'ai utilisé tout à l'heure, je l'ai rangé. Oui. Allez, oui, c'est sûr. Alors, donc, on a dit 100. 2, 3, 4 et 5. Donc, on a déjà 300. Pareil, celui-ci, il est aussi à 500 euros. Je le ferai également, je pense, deux fois. Hein. Clairement. Donc, on a dit 100. Je vais t'envoyer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je vais mettre comme ceci parce que là j'ai pas pu les changer, du coup il y a encore des spécimens. Et le défi impôt, je vais mettre 100 euros aussi à l'intérieur. Voilà, donc
là, par contre, c'est un truc fond d'urgence. C'est un budget de 100. Ça me suffit. 2000, pardon. Ça me suffit pour ce que j'ai à payer. Parce que moi, j'ai mon foncier. Normalement, pas encore d'impôt sur le revenu cette année. Normalement. Si on en avait, on prendra dans le fonds de secours. Hein. Donc 50 et 50, ça fait bien 100. C'est bien parce que du coup, ça avance quand même. On est à 150, sachant que le foncier, si je dis pas de bêtises, c'est mi-octobre. Donc, c'est plutôt cool. Donc, 100 euros aussi, j'ai aussi dû prendre en billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, cela, c'est good. Et bah, du coup, il me reste de l'argent qu'on va remettre dans les autres défis, je pense. Dans les autres épargnes, décidément, j'en veux avec mes défis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 170, il reste. Ok. Donc, 170 euros. Où est-ce qu'on va les mettre? Je vais peut-être mettre quand même... du coup, je vais mettre, je pense... alors, attendez. J'ai pas mal de repas, là, au mois de janvier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre... là, j'ai dit il y avait 100. Je vais remettre 50. 1, 2... Et 3. Ouais, on reçoit pas mal avec les Noël des amis, voilà, qu'on a. Bon, c'est pas vu à Noël, hein. C'est avec nos familles. Et du coup, on se fait toujours un petit repas. Donc, déjà, c'est au minimum avec 4 couples d'amis, pas en même temps. Donc, voilà, ça fait des frais. Donc, j'ai toujours mon enveloppe extra, mais au cas où ça ne suffise pas, j'aurai au moins ces 150 euros là en plus ce que je vais mettre en début de mois. Donc ça c'est cool. Ensuite, je vais remettre, j'avais dit, dans beauté, si il me restait, j'en mettais. Je vais mettre 20 euros dans la beauté. Voilà. Donc il me reste, je vais les mettre. Comme ça, si mon mari et mon fils veulent se couper les cheveux, là, ça va être possible. En même temps, j'avais prévu d'en mettre en plein remplissage début de mois, mais bon, c'est pas grave. Il y aura de l'avance, il y aura un mois d'avance. Donc on a dit défi annuel. Dépôt. Plus 20. Voilà, 30 euros. En plus, c'est pour eux deux, hein, puisque c'est 15 euros chacun. Donc ça c'est cool. Et là. J'avais dit que je vais mettre 10 euros de plus dans l'école. C'est là, non, ça c'est la moto, c'est là, je crois. Ouais, donc au lieu de 20, je vais mettre 30. Hop, et ça fait 120. Comme ça, avec le maillot de bain, on retournera à 100. Logiquement, ça devrait, ouais, 20 euros, ça devrait me suffire. Donc, ça c'est good. Je vais mettre dans mon sens. C'est parfait. Et donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 90 euros. Alors, les 90 euros, moto, c'est pas utile. La voiture, c'est pas utile. Je vais en mettre 50 dans la maison. Donc, on va dire qu'on a mis 100 du coup. Du coup, ça fait 200. Bon, je referai au propre. Hein. Donc, on remet 50 dans la maison. 1, 2, 3, 4, 5. Et les 40 restants, je vais les mettre dans le shopping. Parce qu'il y a les soldes bientôt. Je pense que je vais racheter quelques bricoles pour mes enfants. J'ai toujours pas les chaussures à mon fils, donc voilà. Donc je vais les mettre en plus, 40 euros en plus dans shopping. Voilà. Donc on a dit au lieu de 50, ça fait 90. Hop, 90. Voilà, mais c'est super. Et ben on a réussi à les à tout remplir. Je suis vraiment archi contente. Je vais refaire un petit peu le point avec vous pour voir ce que ça donne du coup. Alors, bah, mon fonds de secours, comme vous le savez, 1000 euros,
il était bouclé, donc ça c'était bien. École, du coup, on a 120 euros pour l'instant, sachant qu'il y a de l'argent qui va partir pour l'achat d'un maillot de bain. Entretien moto, on est à 100 euros. Entretien voiture, on est à 500 euros. Maison, travaux, déco, on est à 200 euros, pardon, du coup. Shopping, on est à 90 euros. Les animaux, 100 euros. L'enveloppe est bouclée pour moi. La santé, on est à 300 euros. La beauté, on est à 30 euros. Le centre aéré, on est à 230 euros. Les anniversaires, on est à 150 euros. L'anniversaire des enfants, on est à 200 euros. L'énergie, le défi énergie, on est à 100 euros. L'abonnement PS4, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 euros. L'abonnement Amazon Prime, on est à 40 euros. Les repas de fête, on est à 150 euros. La taxe audiovisuelle, on est à 110 euros. Et l'enterrement de vie de jeune fille, on est à 100 euros. Voilà, donc ça c'est cool. Et à côté de ça, il chope toutes les miennes, ce truc. Et en parallèle, donc, pour les petits défis qui me restent. Alors, le défi, entre guillemets, Noël, on est déjà à 100 euros. Les vacances, on est à 300. Les impôts, on est à 150. Et voilà. Donc, ça, c'est cool. Franchement, ça a fait un super bon en avant. Et bah, comme vous le savez, on reprend les défis pour 2023. Voilà, le bilan est fait. 1720 euros, c'est énorme. Je suis archi contente. Ça a bien boosté mes épargnes. Je vais pouvoir me reconcentrer sur les défis en 2023, ça c'est sûr. Et je vais pouvoir continuer à économiser la sorte. Et pourquoi pas arriver à solder mes dettes plus rapidement que prévu. Je ne sais pas encore l'argent économisé. Pourquoi pas le reverser directement à la Banque de France si je peux. Faut que je vois avec mes créanciers comment faire. Voilà. En tout cas, nous on se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan du mois de... Le bilan du mois de décembre ainsi que de la dernière semaine. Et puis, il faut également que je vous fasse une vidéo. Je suis désolée, il y a mes loulous. Il faut également que je vous fasse une vidéo sur les outils de 2023. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.